Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler moteur brushless, c'est les moteurs qu'on utilise sur notre drone racer. Je vais vous expliquer toutes les caractéristiques d'un moteur brushless et ce qu'il faut savoir avant de choisir ces moteurs. Alors la première caractéristique qui est indiquée pour un moteur, ça va être son format. Donc son format est souvent indiqué avec 4 chiffres, comme 2205 ou 2306 par exemple, et ça va correspondre tout simplement à la taille du stator. Donc le stator, c'est cette partie là qui va être statique sur le moteur, qui ne va pas tourner. Donc par exemple sur un moteur 2205, le stator va faire 22 mm de diamètre et 5 mm de hauteur. Donc ça va permettre de savoir la taille du moteur et donc le type d'hélice qu'on va pouvoir utiliser avec. Mais ça va aussi un peu impacter le feeling et la courbe des gaz. Par exemple, entre 2306 et 2207, ce sont deux formats de moteurs équivalents en termes de taille d'hélice, et pourtant le feeling va pas être le même. Par exemple, les moteurs en 2306 vont avoir pas mal de punch en bas de gaz et moins en haut de gaz, et les 2207 vont avoir plus de punch en haut de gaz et vont avoir une courbe des gaz plutôt exponentielle. Donc ça, pour ça, il n'y a pas de secret, il faut essayer, et c'est une question de goût. Ensuite, l'autre chiffre qui est souvent donné avec les moteurs, c'est le KV. Alors le KV, ça correspond au nombre de tours par minute et par volt. Donc c'est un chiffre qui va indiquer, qui va permettre de se donner une idée de la puissance et de la consommation du moteur. Donc c'est assez important de regarder ça. Il faut savoir ce qu'on veut, si on aime des moteurs puissants ou pas puissants. Physiquement, sur le moteur, ça va correspondre au nombre de tours que va faire le fil en cuivre sur chaque bobine. Et donc un moteur avec un KV faible, le fil de cuivre va être plus fin, il va faire plus de tours que sur un moteur avec un KV élevé. Le fil sera plus épais et il va faire du coup moins de tours. Donc l'autre truc dans les moteurs qui est important, c'est les aimants. Ils doivent être de bonne qualité, souvent c'est pas indiqué trop, mais plus on paye son moteur cher, plus on a des aimants de bonne qualité qui vont être puissants. Voilà, donc leur taille aussi peut changer la puissance du moteur, mais pas tant que ça. Les roulements aussi, c'est très important. Plus on paye son moteur cher, plus les roulements sont qualitatifs. Et donc s'ils sont qualitatifs, ils vont moins vibrer. Et ils vont surtout durer plus longtemps, moins s'abîmer. Voilà, bon, si ça s'abîme, un roulement on peut le changer facilement, donc c'est à double tranchant. Sur la plupart des moteurs, il y a deux roulements, un au-dessus et un en-dessous, mais sur certains moteurs comme les Zemax Eco, qui sont ces moteurs-là, il n'y a qu'un seul roulement, ça leur permet d'être moins cher, plus léger, et ils vont donc être un peu moins durables. Mais ce sont quand même des bons moteurs. Enfin, ce qu'il faut regarder aussi, c'est les circlips. Enfin, comment la cloche est attachée au stator. Donc ici, l'axe va venir se fixer ici, en fait, sur ce moteur-là, mais je l'ai enlevé. Il y a ce qu'on appelle un circlip, c'est un petit U en métal qui va venir pincer l'axe pour l'empêcher de bouger et empêcher la cloche de partir. Le truc qui est mieux, c'est d'avoir une vis. C'est plus fiable, c'est moins petit, moins de risque de perdre. Et surtout, ça permet d'enlever la cloche facilement et donc ça facilite l'entretien. Ça, c'est bien. Avant de choisir ces moteurs aussi, il faut un peu regarder l'avis des gens pour connaître la durabilité. Et aussi aller voir des tests sur des bancs qui vont donner des indications de consommation du moteur. Pour savoir par exemple si vos ESC vont supporter ce moteur-là. Ça, c'est important aussi. Je crois que vous savez tout sur les moteurs brushless. Maintenant, vous pouvez choisir tout seul vos moteurs. Et on se dit ciao.